And here's a story about being free. Bonjour, Castel Astro. L'association a été créée en août 2000. Castel Astro permet au public de s'initier aux merveilles célestes et à la magie des étoiles. L'association organise plusieurs événements chaque année, comme la Nuit des Étoiles, par exemple, au mois d'août. Et son président Pierre Berdreau accueille également des élèves des écoles primaires. Et son objectif, transmettre son savoir et sa passion. Et ben, je ne voulais pas garder ça pour moi. Comme je savais que sur Châteaubriant, aux alentours, il n'y avait rien. J'ai dit pourquoi pas faire quelque chose. Mais mon idée première, c'était les scolaires, comme là, avec les enfants. C'était mon idée. Et comme je savais qu'il existait un planétarium, j'ai dit le meilleur moyen, c'est d'avoir un planétarium pour accéder vers les écoles, c'est très bien. C'est même les primaires qui sont. En primaire, on pense CM1, CM2, hein, c'est ça. Et c'est eux les plus captivants. Troisième, quatrième, c'est plus compliqué. Alors j'ai posé mon projet à la mairie de Châteaubriant. Parce que vous pensez bien que j'avais pas les moyens moi, de me payer ça. Ils ont étudié le problème et ça a été OK. De l'année précédente, j'ai fait 42 interventions quand même chez les scolaires et tout ça. J'ai une convention avec la ville de Châteaubriant, pour les écoles de Châteaubriant et les collèges. Et j'ai une convention maintenant avec la communauté de communes, pour toutes les écoles de la communauté de communes. Pendu de Foucault, c'est assez particulier. On pend un poids au bout d'une grande corde. D'abord, on prouve que, et l'on le balance, que la vitesse de balancement n'a rien à voir avec le poids, mais avec la longueur de la corde. C'est-à-dire, vous prenez une corde, mettons de 5 mètres, vous mettez un poids de 6 kg ou un poids d'1 kg, le balancement ira à la même vitesse. Par contre, plus vous réduisez la corde, plus le balancement sera rapide. Mais c'est pas tout. On le fait balancer. Puis dans le balancement, on met une ficelle par terre, blanche, pour bien suivre le balancement. Voilà. Et on laisse se balancer. Il se balance facilement hein, pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit au bout d'un quart d'heure, 20 minutes? Tiens, il ne se balance plus dans le sens de la ficelle, mais il se balance comme ça. Tiens, c'est bizarre. Ça. Eh bien, ça veut dire que le balancement, lui, il n'a pas bougé. C'est la Terre qui a tourné. C'est 20 euros dans l'année. On a appris tout sur la planète et tout sur les étoiles. Vous savez, on connaît à peu près un millionième de l'univers. Ah oui, il y a encore du travail. La grande ours, les constellations sont plus faciles à. Le W, le scorpion. Et l'étoile qui est toujours à la même place qui indique le nord ou la fin de l'étoile. L'étoile de polaire. L'étoile polaire. L'étoile polaire. Parce qu'elle est dans la direction du pôle. Mais la grosse planète qu'on voit le soir. Vénus. Non, Jupiter, le soir, il brille beaucoup, là, comme un petit phare, le soir. Saturne, quand Saturne est dans le ciel, c'est magnifique, hein, avec son télescope, on voit ses anneaux, elles sont à plus d'un milliard de kilomètres, c'est formidable. La Nuit des Étoiles vient couronner un peu l'année, si vous voulez. La Nuit des Étoiles, c'est national, mais ça a lieu deuxième week-end d'août. Je suis content d'être bien soutenu par la municipalité, aussi bien celle qui était avant que celle qui est maintenant. Il y a une différence. Par exemple, la Nuit des Étoiles, ils nous fournissent tout le matériel qu'on veut, écran, sonorisation, lumière, tout. On est aidé au maximum avec la communauté de communes aussi. Donc ça, je les remercie parce que sans eux, on aurait de la peine.